Je ne veux, Seigneur, ni or ni argent. Donne-moi une foi ferme et inébranlable. Je ne cherche, Seigneur, ni plaisir ni joie de ce monde. Console-moi et affermis-moi par ta sainte parole. Je ne te demande pas honneur et considération d'ici-bas. Ils ne peuvent en rien me rapprocher de toi. Donne-moi ton Esprit Saint, qu'il éclaire mon cœur et me fortifie, qu'il me console dans mon angoisse. Garde-moi jusqu'à la mort dans la vraie foi, dans la ferme confiance en ta grâce. La paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur sont sur nous. Et nous nous levons pour chanter « C'est un rempart que notre Dieu », le numéro 340, « C'est un rempart que notre Dieu ». Aujourd'hui, nous sommes un 31 octobre, il y a quelques siècles de cela, un 31 octobre 1517, le moine Luther, collé sur la porte de l'église de Wittenberg, les 95 thèses qui fondent notre courant protestant. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Bienvenue à tous et toutes pour ce temps de culte.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindront plus tard via le web. Louons le Seigneur. Certes, ces choses belles, mon âme s'ouvre à ta louange. De louer le Seigneur, dire, chanter des belles paroles sur toi. Son nom est dans ton cœur. Au plus profond de mon être, ta voix résonne, comme une aube nouvelle, tellement l'aube est splendide ce matin. Et la nuit revenue, j'annonce le matin, le noir ne m'effraie plus, ta lumière toujours promise, soleil d'un jour sans fin, lumière infinie. Mon Dieu, je te salue, viens, je t'accueille. Chantons ensemble, certes, ces choses belles, le psaume 92 que vous trouverez au numéro 45 de vos cantiques. Numéro 45 de vos cantiques. Déposer ce qui est lourd dans nos vies, nous prions et nous prions les mots de Martin Luther. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions. Père, et nous te supplions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui s'est dispersé, de réunir
et de reconstituer tout ce qui s'est divisé. Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, et de nous abstenir de toute dissension. Ainsi, nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison, et tournés tout entier vers Jésus-Christ notre Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Amen. Recevons les paroles de grâce. L'apôtre Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Cette promesse est pour nous. Elle est pour nous lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous plions sous la routine ou la difficulté de nos vies. Cette nouvelle création n'est pas le fruit de nos efforts ou de nos repentirs, elle est l'œuvre du Seigneur crucifié et ressuscité pour nous, celui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Assurés de cet amour et de ce pardon de Dieu pour nous, nous pouvons écouter dans les livres de l'Ancien Testament ce que Dieu veut pour nous. Ce rappel de la loi qui nous rappelle que l'écoute et le respect de la loi conduisent à la vie. Dans le Deutéronome, chapitre 6, « Écoute, Israël. » Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles des commandements que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, à tes filles. Tu les leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les inscriras sur les montants de la porte de ta maison et à l'entrée de ta ville. Dans le Lévitique, au chapitre 19. N'aie aucune pensée de haine contre ton frère ou ta sœur.
mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'en pécher à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils et des filles de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi, le Seigneur. Et nous nous levons pour chanter « Aux lois de Dieu, prêtons l'oreille », c'est le numéro 164. Nous prions. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, toi qui es le Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de saint Augustin, Martin Luther et Jean Calvin, grands témoins parmi d'autres de ta parole, toi qui es le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, toi qui es notre Dieu, nous te prions, que ta parole touche notre cœur, que ton esprit parle à notre esprit, que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie. Et nous entendrons la parole dans l'évangile de Marc, au chapitre 22, les versets 28 à 34, pardon, chapitre 12. Les versets 28 à 34. Un scribe s'avança. Il les avait entendus discuter et voyait que Jésus leur avait bien répondu. Il lui demanda : quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : le premier, c'est : écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Le scribe lui dit : très bien, maître, tu as dit vrai. Il est unique et il n'y en a pas d'autre que lui. Et l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit : tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Et nous chanterons, nous nous leverons pour chanter au numéro 104. Thank you.
En déroulant ce chapitre de l'évangile de Marc, nous avons l'impression d'assister à une sorte de compétition, un concours très spécial. Il pourrait s'intituler le concours d'herméneutique de Jérusalem. L'herméneutique, c'est cette science qui interprète les textes. Cette herméneutique, l'interprétation des textes, est capitale pour tout système de croyance qui repose sur des écrits. Dans le judaïsme notamment, l'autorité des grands prêtres, des sages, est importante pour le courant théologique qu'ils animent. Les controverses sont récurrentes et participent à ce jeu de pouvoir. Car les interprétations données font office de jurisprudence et elles ont un impact sur la vie quotidienne des gens, sur leur spiritualité. Jésus, c'est le nouvel arrivant dans ce jeu et il doit lui aussi montrer son savoir et sa puissance d'interprétation. Et il est donc mis au défi par ses détracteurs, comme dans la séquence de Marc que nous venons d'entendre. Avant, il y avait eu déjà trois autres premiers sets remportés par Jésus. Dans cette bataille d'argumentaires vont se succéder quatre groupes différents. Alors, premier set. Je suis au verset 27. Alors que Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens s'approchent de lui. Ils lui disaient, « En vertu de quelle autorité fais-tu cela ? Ou qui t'a donné autorité pour le faire ?» Pour cette première bataille théologique, la grosse armée est envoyée contre Jésus. Rendez-vous compte, les caciques du temple se plantent en nombre face à lui et lui posent la question de l'autorité. De quel droit, toi, Jésus, te permets-tu de débarquer dans notre temple et d'enseigner comme ça aux Israélites, en sous-texte, et aussi de bien marcher sur nos plates-bandes ? En bon pédagogue, Jésus répond en les interrogeant, « Je vais vous poser une seule question, répondez-moi, et je vous dirai en vertu de quelle autorité je fais cela. » Le baptême de Jean, Jean le Baptiste, venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. C'est ingénieux de la part de Jésus parce qu'il invoque Jean le Baptiste et il pose un problème stratégique à ses adversaires. Jean est un prophète respecté et pour l'armada du temple contre lui, répondre des hommes reviendrait à s'aliéner la foule qui suivait ses duels avec attention. Alors, les grands prêtres, les scribes et les anciens plient devant Jésus le stratège et il établit un peu plus son assise religieuse. Jésus 1, scribe 0. Vient ensuite face à lui une autre salve de contradicteurs envoyée à Jésus par les précédents. Je vous lis. Ils envoient auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Ils viennent lui dire « Maître, nous savons que tu es franc et que tu ne te laisses pas influencer par qui que ce soit. Tu ne tiens pas compte de la condition des gens, mais tu enseignes les chemins de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César ? Devons-nous le payer ou ne pas le payer ? » Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi me tendez-vous un piège ? Apportez-moi une pièce d'argent que je vois. » S'avancent donc maintenant devant Jésus des pharisiens et quelques hérodiens. Des hérodiens. Entre nous, qui l'eût cru qu'un tyran comme Hérode puisse lever des partisans. Il s'agit en fait de Sadducéens, une autre branche du judaïsme qui était attachée à la famille d'Hérode
quand la politique se mêle au spirituel. Et c'est justement cette question qu'il pose à Jésus, la question de l'impôt, une question de vie quotidienne. Et de nouveau, Jésus les contre en ne mélangeant justement pas politique et religion. Et devant l'effigie de César sur une pièce de monnaie, il inscrit le deuxième point: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Trop facile. Malgré leur mauvaise foi et leur hypocrisie, nous pouvons quand même reconnaître aux détracteurs de Jésus une certaine ténacité. Ils ne désarment pas et des Sadducéens se présentent pour la troisième manche face à Jésus. Des Sadducéens viennent auprès de lui, ces gens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pouvons-nous lire au verset 18. Le texte prend le temps de nous signaler que les Sadducéens ne croient pas en la résurrection des morts. Et ils ont une question pour Jésus, une question de vie conjugale très fumeuse sur la vie après la mort. Ils prennent le cas d'école, écoutez bien, d'une femme qui se serait mariée 7 fois de suite avec 7 frères, chaque frère mourant à chaque mariage. Il faut tout de même avoir un peu l'esprit retors pour fabriquer de tels scénarios. Mais enfin, ils arrivent avec cette problématique improbable de ces hommes et de savoir lequel de ces 7 maris retrouvera la femme après la résurrection. Résurrection à laquelle, je vous rappelle, ils ne croient même pas. Jésus les renvoie à leur question stérile par un « vous êtes complètement dans l'erreur ». De cette dernière volée imparable, Jésus conclut le troisième set face à de pitoyables adversaires. Après une discussion sur l'autorité de Dieu et des hommes, après la question pratique de l'impôt à payer, après une histoire de vie conjugale et de résurrection, le texte pourrait ainsi continuer indéfiniment et nous attendons les prochains. C'est d'ailleurs ce qu'il semble arriver quand une dernière équipe se présente devant Jésus. En réalité, il ne s'agit plus d'une équipe, mais d'un homme seul, un scribe, un lettré. Cet homme va être l'exception qui confirme la règle, puisque l'homme va reconnaître à Jésus sa solidité de pensée et son autorité théologique. Cet homme de lettres assiste tout ouïe au débat précédent, et il perçoit que ce nouveau sage devant lui pourrait lui apporter une aide et le faire avancer sur son chemin. Et contrairement aux autres, il ne vient pas pour se mesurer à Jésus, mais pour dialoguer avec lui, avec cette question: quel est le premier de tous les commandements? Alors, a priori, cette interprétation ressemble tout de même à un nouveau piège, un peu comme si le lettré voulait évaluer la connaissance de Jésus. Pourtant, en regardant le texte grec d'un peu plus près de ce passage, nous apercevons une subtilité. Vous allez avoir droit à un petit cours de grec matinal. Le mot « panton » est le neutre de la racine de « pas ». « Pas », ça veut dire « tous » en entier. Et normalement, il devrait s'accorder avec le mot « entolé » commandement, qui est féminin. Vous me suivez? Ce petit cours de grec pour mettre le doigt sur une difficulté de traduction avec ces deux mots qui ne s'accordent pas. Littéralement, on devrait dire, pour le tout, quel est le premier commandement? Ou bien quel commandement passe avant tous les autres? Et juste par cette subtilité,
La question de cet homme sort de l'échange, sort des querelles de classement. Elle n'est pas de savoir si honorer son père et sa mère est plus important que de ne pas convoiter le bétail du voisin pour obtenir son salut. La véritable question de cet homme est de déterminer la sève de sa foi en Dieu. Et bien sûr, cette question et la réponse qui va suivre nous intéressent au plus haut point, car elle nous ramène à l'essentiel. Nous passons parfois beaucoup de temps à évaluer, à soupeser les choses, à faire des classements, à renverser les priorités. C'est bien, mais parfois nous en oublions l'essentiel du débat. Le moine Luther avait lui aussi en son temps renversé les priorités de l'Église en affichant, selon la tradition, ce 31 octobre 1517, ses thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Par cet acte, retenu ensuite comme acte fondateur du protestantisme, il participait à la contradiction. Et en tant que nouveau sage, il voulait lui aussi asseoir son autorité, suivi par d'autres, dont Jean Calvin. Ces courageux réformateurs traçaient une nouvelle herméneutique, obligeant ainsi leurs contradicteurs à redéfinir leur théologie. Les débats furent houleux, violents parfois jusqu'à la mort, et je puis l'affirmer, il n'y a eu aucun vainqueur jusqu'à ce jour, parce qu'en réalité, il n'y a aucune compétition. À celles et ceux qui, dans le passé, ont fait s'affronter les différentes confessions chrétiennes dans les luttes sanglantes, Jésus leur oppose le « vous êtes complètement dans l'erreur ». À celles et ceux qui, aujourd'hui encore, seraient tentés de reprendre les anciennes querelles de confession pour un prétexte ou un autre, Jésus oppose le « vous êtes complètement dans l'erreur ». Comme dans les disputes de l'évangile de Marc, seul Christ sort vainqueur. Les catholiques romains célèbrent l'Eucharistie en partageant le vrai corps et le vrai sang du Christ. Certains luthériens font le signe de croix. Les orthodoxes vénèrent les icônes. Les évangéliques louent les bras levés au son de la guitare électrique. Le culte réformé se vit au son de l'orgue. Et alors ? C'est une grâce véritable de pouvoir exprimer sa foi par des gestes différents, par une liturgie aux accents différents, par des ecclésiologies placées ici ou là. L'unité du Christ, l'unité autour du Christ se vit dans la diversité. Alléluia. Dans le texte de Marc, la question élaborée du lettré « Quel commandement passe avant tous les autres ?» permet à Jésus de préciser à nouveau le socle de la foi. « Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Erad, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » En premier lieu, il y a ce devoir d'amour de Dieu. La loi donnée à Moïse pour le peuple d'Israël prend une portée universelle, un amour qui requiert toutes nos forces humaines. Le cœur de nos émotions, l'âme de notre spiritualité, la pensée de notre herméneutique, la force de nos gestes. Amour de Dieu d'un peuple conjugué en nous et qui sème au singulier. Et ce premier commandement se décline immédiatement dans l'amour du prochain. Voici le second.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Peu importe les sacrifices, peu importe les holocaustes, peu importe la messe, peu importe le culte, peu importe le signe de croix, peu importe les icônes, ce ne sont que des moyens au service de ces deux commandements d'amour. Écoute, écoute, peuple de Dieu, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Mets ton cœur au service de cet amour, place ton âme dans cette foi, utilise ta pensée pour interpréter cette parole, manie tes gestes au profit de Dieu et des autres. Amen. Voici quelques annonces pour la vie de notre communauté. Vendredi prochain, 5 novembre, de 18h à 19h30, nous proposons ici, en la cathédrale Saint-Pierre, un atelier chant pour nous préparer au chant de l'Avent et au chant de Noël. Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour ce programme. L'office choral aussi qui aura lieu samedi prochain avec Sandrine et moi-même, et la maîtrise du Conservatoire populaire, donc samedi prochain, le 6 novembre à 18h.
et la reprise des Théopopettes qui reprendra donc ce mercredi 3 novembre à 15h30. Cette dernière annonce me permet de saluer les jeunes et les enfants qui sont présents parmi nous ce matin et qui suivent nos programmes de catéchisme ou d'école biblique. Je rappelle que notre paroisse propose beaucoup d'offres pour les jeunes et les enfants. Donc voilà, si vous connaissez des enfants ou des jeunes qui seraient intéressés, merci de faire qu'ils s'adressent à nous. Merci ce matin à Valérie, Pascal et Liliane pour les lectures et l'accueil. Et merci à Vincent qui est à l'orgue. Ensemble, nous prions. Non, avant de prier, pardon. Il faut recueillir notre offrande, qui est aussi en fait une façon de prier, de partager ce que nous avons. Donc nous recueillons notre offrande et nous chantons pendant ce temps le chant « Bénissons Dieu ». C'est le numéro 359. Numéro 359, « Bénissons Dieu ». Unissons-nous dans la prière les uns les unes pour les autres et nous reprenons aussi les mots de Martin Luther. Mon Dieu, je suis sûr que tu es vrai et que tu ne mens jamais. Permets que je demeure ferme dans la foi et que je ne cède pas au doute. Non, parce que ma prière est bonne, mais parce que toi, tu es la vérité. Mon Père, encourage et fortifie par ta sainte parole l'homme faible que je suis. J'ai souvent de la peine à accepter ta volonté pour moi. Donne-moi la force d'être obéissant pour ne pas succomber à la tristesse. Enseigne-moi, ô Père, à ne pas me confiner en moi-même ou en mes belles entreprises, mais à tout attendre de ton infatigable bonté. Que la tristesse de vivre souvent en désaccord avec ta volonté
ne me submerge pas, mais plutôt que ta miséricorde s'étende à toute ma vie et la fertilise. Et ensemble, nous te disons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous allons retrouver le cours de nos vies. Allons-y dans la confiance de cet amour que Dieu nous donne et que nous lui devons. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Le Dieu de grâce vous bénit et vous garde en tout temps et de toute manière. Et avant de partir, nous chantons le cantique « Demeure par ta grâce », le numéro 145. Son amour fidèle nous garde pour jamais. Bon dimanche.